chers compatriotes. Une boxeuse et son entraîneur de mari, ça sent l'envie de réussite. Et donc, ça sent l'envie tout court. Mais qui envie qui? Miam, 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 miam. Miam, miam, serait-ce de la gourmandise? Oh non, c'est pire. La belle et le milliardaire, ça fleure quasiment la luxure. Et dans luxure, il y a luxe. Voilà. Et merci à Jacques. Merci à vous. En deux mots peut-être, vous voilà. Êtes devant le service des urgences donc l'hôpital Saint-Pierre, qui est le plus gros service du pays, voilà. Puisqu'on accueille 82 000 patients par an, un tiers d'enfants et deux tiers d'adultes. Et donc aujourd'hui, on se proposait de vous présenter la pédiatrie qui s'inscrit dans le contexte du bouquin. Donc je propose qu'on aille tout doucement vers la garde. Tiens, j'ai pas mon badge. Ça, c'est dans la précipitation, je n'ai pas mis mon badge. Allez, on va faire une jolie photo. À l'aide, quelqu'un! 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 et 14 et 15. Allez, Jeanne, voir. À voilà. Toi. Ah, à toi. Aussi. Mais... Cool. Cool. Allez. Voilà, là. Voilà. D'accord. Bouchou. À l'aide! À l'aide! Très bien. On dit que ça fait une minute. Très bien. Il n'y a personne. 112. Oui. Oui, bonjour, je suis avec mon enfant ici, il ne bouge plus. Il a 3 mois, il est inconscient. Je suis en train d'essayer de le réanimer. Je suis aux urgences. Oui, rue Haute. Oui, 212 rue Haute. S'il vous plaît, faites vite, s'il vous plaît. Ça va aller, bouge. Avec. Il va mieux. Vous n'avez pas massé trop fort. Vous avez bien massé. Tout le monde entendait des réflexions. Non, c'est trop fort. Non, pas du tout. C'est jamais assez fort, même chez le petit. Donc ça doit être fort et rapide. Et donc ça, il faut retenir. Oui, c'était très bien. Fort et c'est bien à savoir parce que. Oui, c'est un bébé. En tout cas, chapeau pour la réanimation. C'est vrai? Oui, c'était vraiment très très bien. Je l'ai pas trop mal fait. Non. Comme je disais à monsieur, vous l'avez vraiment sauvé. C'est vrai, ça fait plaisir. Bon, je sens que je vais faire quelques malaises à la maison. Quelques malaises. Ah, ça va bien? Bonjour. Ça va? Ça va bien. On a des amis aussi. Voilà. On a quelques amis parmi vous. Quelques-uns. Tous amis. Encore une pour moi, s'il vous plaît, Paris. Bien sûr, bah. Tout pour vous. Merci. Vous faites tous les deux un quart de tour arrière? Ah, tous les deux voilà. Sur Facebook, ça. Il est précis, un quart de tour. On a rien dit. Jérôme, je craque. Ma voiture, Jérôme. Ça va? Ça va. Oui, ça va. Elle est belle, hein? Elle est sympa. Ah, elle est chiée. Qu'est-ce qu'elle est belle? C'est vraiment une tuerie, cette voiture, hein? Non?
Ah, elle est vraiment jolie. Hein. Évidemment, c'est que pour deux. Bon, chérie. Quel beau cadeau, mon amour. C'est celle que t'aimes ? Elle est trop belle. Oh là là. Viens, maman. Mais ta maman. Yassou, viens. On va essayer de te mettre pour voir si on s'est à trois. Tu veux me mettre trop ? Pour essayer, pour voir si, si jamais. Ah, voilà, non, regarde, Genji. Genji, là, on peut pas te mettre de loin. Oh, Genji, tu me montres, regarde, Genji, mon amour. Oh, mon amour. Et Jeanne, ne plante pas, là. Je suis là. Bah... Je sais pas, il les aime cuits ou pas? Plutôt très cuits? Ok. Petit bébé. Ça va? Ça va, bien. Ils sont à table ou pas? Ça va. Viens la pierre. Tu les as cramés? Alors nous avons du silex, nous avons un peu de marbre. Non, c'est bon. C'est plutôt de la roche. De... On en a plein. Bien. Ok. 64 cadeaux, on a fait fort quand même cette année. Hein. Ouais. Pour le premier Noël qu'on passe ensemble. C'est pas mal, non? C'est juste une petite pour goûter, tu vois. On prend ça alors. Non, mais attends, c'est la deuxième fois qu'elle goûte. Oh. Mmh. Attends, moi je t'en donne le côté liquide. Je sais pas m'empêcher ça. Très bon. Honnêtement, la mousse d'Ousmane, c'est la meilleure. Arnaud, il y a un peu trop dans ton assiette, je trouve. On fait une petite cheminée. On fait un petit feu de cheminée, chérie. Ouais, vas-y. Viens, viens. Non, j'ai dit on. J'ai dit on fait. Oui, oui, vas-y. T'as remarqué. Allez, on y va. Bah, vas-y. Mais t'as pas besoin de moi pour faire un feu. Bah, si, forcément. Bah, non. T'as des belles petites fesses. Elles sont qu'à moi. Hop. Allez, on y va. Je vais les faire aussi. Allez. Je vais en premier d'abord. Non, non, je vais en premier, je dis. Mais il a la traîne, là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, vas-y. Vous êtes aussi journaliste chez Gala. Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour, alors. Ça va? D'accord. Ça va. Je te présente Maïté. Enchantée. Oui, c'est chanté dans le brouillard. J'espère depuis. Et votre papa, qu'est-ce qu'il en pense? D'enfant, vous parlez de la relation avec elle? De t'installer avec quelqu'un qui a 50 ans déjà. Ah, mais il connaît très bien. Il connaît Arnaud. On va de temps en temps manger tous ensemble en famille avec ma maman. Mes trois frères, ma petite sœur et mon papa. Et ça va, ils s'entendent bien, ils aiment bien. Il n'y a aucun problème. Mais on ne le voit pas souvent parce que mon papa est séparé de ma maman depuis 5 ans. Donc, c'était pas facile pour toi, ça? Non, pas trop. C'est douloureux? Oui. Tu veux qu'on arrête un peu dans 5 minutes? Non, ça ne me dérange pas. Ouais, pas de problème.
Vous, vous avez toujours été au courant de toutes les aventures intimes de Jade. Il n'y a pas de secret entre nous, c'est comme ça, c'est un lien fusionnel depuis qu'elle est toute, toute petite, le moindre faisait geste, c'est naturel quoi en fait, je veux dire, c'est pas comme si je questionnais ma fille ou quoi que ce soit, c'est, ça vient dans la conversation, dans... Mais maintenant c'est un peu le tonton Nono ici, viens un peu, qui reprend le relais. Allez, te cache pas, viens. Non, mais je vais bientôt partir, c'est pour ça. Oui, oui, oui. Ah non, 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 non. Je ne fais rien avec vous sans la présence de Jade. Eh bien, pas de problème. Vous assistez pratiquement à toutes ces séances photos, non, en fait, non? Non, mais récemment, oui. Mais ça dépend de mon emploi. Oui, à Miami, ça dépend de mon emploi du temps, en fait. Mais quand je peux, moi, je le fais avec plaisir, bien sûr. Elle vous apprend des choses? Bien sûr. Bien sûr. À vous, bien sûr, en chef d'entreprise qui avait parcouru le monde 100 fois. Mais bien sûr, mais bien sûr. D'abord, on apprend à tout âge, on apprend dans tous les métiers. Et justement, ça regarde nouveau. Et absolument, elle m'apprend, bien sûr. Mon attachement profond, sincère et passionnel pour Jade, il ne tient pas, vous allez rigoler, mais riez quand même, il ne tient pas à la forme. Certes, ça aide, il ne faut pas être hypocrite, mais dans la durée, ça ne suffit pas. Il tient au fond. Donc c'est ni une danseuse, ni un coup de foudre passager, ni un coup d'éclat, ni un coup de machin, ni un coup de tout ce que vous voulez. Tout ça s'inscrit dans la durée, comme tout ce que j'ai fait toute ma vie d'ailleurs. Dans la durée, dans le temps, calmement, paisiblement. Enfin calmement, vous allez me dire pas vraiment, mais bon, parfois il y a des choses qui nous échappent, hein, on ne maîtrise pas tout. Mais en tout cas, de ma volonté. Donc le projet, comme on a parlé avec Jade, pour fonder une famille, oui, bien sûr. Ça, c'est urgent pour vous? Vous voulez dire, vu mon âge, c'est urgent? Oui. Non, l'urgence, elle est commune. C'est-à-dire que s'il y a une urgence de mon côté, elle doit être du sien aussi. Mmh. Donc, c'est un choix qu'on partage, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, 2012 sera une grande année pour nous. Ouais, voilà. Ce sera l'année du mariage, des enfants, de mariage. Vous êtes, mais alors non, pas à gala. On peut pas dire ça à gala. Si, justement. Non, on peut pas dire ça à gala. Si, c'est les choses qui se disent à gala, ça. Bien sûr. Mais c'est pas du tout l'esprit de la maison Forêt-Lagardère. Forêt-Paz-Lagardère, allez, t'inquiète. Fais pas ta tête, toi. Je fais pas ma tête du tout. Là, là, là. Donc vous avez déjà tout organisé, tout prévu, non? Non, style à faire sa laver. Oui, oui. Ah, vous faites ça ensemble, en tout cas. Ah bah évidemment, ouais. Évidemment, évidemment. Bien évidemment. Mignon. Allez, là, mets ta main un peu plus bas. Hein? Un peu plus par ici, ta main, pour cacher le string. Voilà. Oui, voilà, où Jade a mis la main. Mais, voilà, comme ça. Non, mais là, il n'est pas bien. Mais là, t'aplatis. Mais vous inquiétez pas, ça, c'est une retouche, c'est rien. Oh, ok, c'est rien alors. Non, c'est pas joli. On va le retoucher, ça. Pas de soucis. Sinon, t'aplatis, c'est ça aussi, au passage. Maïté. Il faut rien dire, c'est moi qui les ai coupés. C'est vrai? Non, je les avais rasés. Porno chic, deuxième. Arnaud, relâche-toi. Pour moi, c'est pas facile. Relâche-toi. C'est pas mon métier. Ah, c'est photomaton. Tu arrives à me stupé, au mieux. Pas mal, ah, je suis à la photomaton, je bats tout le monde. Un grand sourire, juste une derrière, et c'est bien ça. Super, très bien, merci beaucoup. C'est bien. Super. C'est gentil, hein, c'est adorable, merci. Ok. En bas. Attends, aïe, je suis bloqué, bouge pas de la main. Mouillé alors maintenant. Est-ce que tu peux prendre sa main? Tu l'as aidé à sortir? Ouais. Prends la main. Ouais, exact, super. Ouais, très bien. Et là, Cyril, on peut commencer à la mettre un peu plus mouillée. Fais la mouillée. Mouille tout. La visage, tout. Mets-toi en dessous et tu sors. En dessous et tu coules. Ouais, exact. Attends, je te moi. Tout, hein. Ouais, ça va. Eh, vas-y. Vas-y. Ouais, exact. Magnifique. Et là, tu sors. Très bien. C'est magnifique. Magnifique. Non, ça coule pas. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est beau, ça. Et tu sors les pieds, ouais, exact, super. Très bien, très bien. C'est magnifique. C'est tout, merci beaucoup. C'est super. Magnifique. Super. Ça te va super bien, les cheveux mouillés. Hein? Elle est magnifique, celle-là. Moi, j'adore ça.
C'est vraiment chouette. J'ai celle-là. Ça te va, ça? Encadré, ça te va, celle-là? Ça te va aussi, non? Bah oui, ok. Si, hein. Là, c'est beau, magnifique, hein. Cassandra, tu veux pas ta veste? Non, non. Merci, bonsoir. La voiture, monsieur Lagardère. Monsieur, monsieur. Oui. Et vous tournez à gauche. Ouais. Merci beaucoup. Bon, je la prends en train tout à l'heure quand on vient. Merci. C'est bon, pas très sûr. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Deux joueurs au total, en fait. Aïe, 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 aïe. Allez. Non. Allez, Joachim. Ouais. C'est bien, le petit loup. Tout à vous. Si vous ne les prenez pas, on prendra des boulettes de viande. Ouais. J'ai dit aux truffes, aux boulettes. Il a dit, pour changer, on va prendre les boulettes. Match moyen. Mais bon, on va gagner. Ça, on verra. On va gagner. Parle pas trop vite. Je pense que tu as envie de rentrer à pied ce soir. À pied, à cheval, peu importe, on va gagner quand même. C'est vraiment comme ça. Alors, sans défaut, la cône, à la noix de coco, chocolat blanc. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Noix de coco, chocolat. Ça vous tente pas les petits? Le bien dans les chips. Il y a des petits chocolats là. Des tu bois du vin, chérie? Vous donnez un genre. Hein. Bah, tu sais, ce qu'il y a, c'est que là, on pourrait penser que c'est du fromage, quoi. Tu vois, un petit icône ouais, de fromage, quoi. Bon, quelques... Personne veut du coca? C'est du coca? Ouais. Tiens, d'être tiens. Eh bien. On va aller dehors parce que sinon on aurait pu rester à la maison devant la télé. Ah oui. C'est un peu ça, oui. Vous venez ou pas? Non. Où ça? C'est son tatouage. Rien. J'ai gratté, je ne me rendais pas compte, j'étais en train de gratter. J'ai mis la crème ce matin, il avait une fameuse croûte sur le cœur. Tu as vu? Ouais, elle va partir toute seule. Je viens de gratter là. Je vois rien, il n'y a pas de rougeur. C'est sûr? Non, non, non. Non. D'accord. Perfecto. Puis j'ai reçu des alertes Google, comme d'habitude. J'ai vu d'ailleurs hier que tu citais un certain nombre de commentaires dont j'ai entendu des gros mots. Ah oui, t'avais pas entendu? De loin, non, j'ai non, pas en fait, entendu. C'est parce que j'ai reçu un message de Séverine hier, quand on était au match, qui me disait, s'il te plaît, regarde vite tes mails Twitter. Ouais. Donc, je dis, écoute, je suis au Stade de France, ma connexion est mauvaise. Et donc, elle m'a dit, ah d'accord, parce qu'il y a une femme qui s'excite sur ton Facebook. Et en fait, effectivement, il y a une femme qui s'appelle Cheryl, qui met... Bonjour, j'habite en Libye et je suis ravie de voir que le pétrole volé à un peuple libyen martyrisé te sert à toi et ton enculé de fiancé. Tu es le stéréotype de la nana refaite de partout, égoïste et matérialiste, qui n'en a rien à foutre d'être maquée avec un monstre tant qu'il a de l'argent.
Bonne continuation à vous deux. Vous vous êtes bien trouvés. C'est assez cocasse. Ouais. Pétrole et... volé. Ouais, pétrole volé, Libye. Je te l'ai lu, maman, le texte. Mais, moi, je pense que ce sont des gens qu'elle connaît, entre nous, vraiment, avec de la jalousie, et qui se cachent derrière des pseudonoms, tu vois, parce que... Soit pas, et des gens, tu sais, qui sont... Je pense pas. Non, mais ça peut être aussi des... Ça peut être aussi des... Comment on appelle ça? Des altermondialistes, tu vois, comme il y en a, qui sont contre la société, le capitalisme, le fric, etc. Et puis qui prennent... Parce que pétrole, Libye, tout ça est suffisamment bien construit pour que ça vienne pas d'un, tu vois, d'un espèce de délire intellectuel, quoi. C'est peut-être mis sous le nom d'une fille et que c'est pas du tout une fille qui est derrière, tu vois. Ouais, c'est possible. C'est... Donc, impossible de séduire Jette Forêt. Le couple Arnaud de la Gardère, Jette Forêt, fait jaser. Pourtant, les deux tourtereaux qui viennent de fêter leurs 10 mois en couple sont très unis, que ça plaise ou non. L'ancienne compagne d'Emilien Penza est d'ailleurs prête à tout pour faire taire les langues de vipère, à commencer par Manuela Erdodi, l'ex de son chéri. J'en ai marre. Dans les colonnes de Grazia, celle-ci a laissé entendre qu'elle était toujours amoureuse de son ancien mari et qu'elle n'arrivait plus à le reconnaître depuis qu'il file le parfait amour avec Jade. Cette sortie médiatique n'a pas vraiment plu au mannequin. Si Manuela veut Arnaud qu'elle reprenne alors, j'en ai marre. C'était bien évidemment de l'humour, je ne laisserai Arnaud pour rien au monde, a-t-elle expliqué sur Twitter. Aucun homme n'arrivera à me charmer, je suis complètement dévouée à mon chéri. Ça c'était mon texte. C'est beau, hein. Désolée pour les déçus. Et là ils mettent une photo de moi avec mon tatouage, enfin, qui me faisait tatouer, et la photo de Dubaï. Bon, les commentaires, on va s'en passer. D'accord. Là ils disent en gros que je pense à Émile en faisant l'amour avec Arnaud. Oh oui. Ils mettent, attendez, et le petit milliardaire qui passe après Émile pendant que la petite coquine regarde le plafond en pensant à Émile. Comme quoi, c'est bien la taille du compte en banque qui compte. Et quel est le pseudo de cette personne? Jean Leloup de Namur. Jean Leloup. C'est bien. Ça doit être ses fantasmes à lui qu'il est en train de te suggérer, probablement. Mais oui, qu'elle le larguera le jour où le compte en banque sera moins élevé. N'importe quoi. Et si le petit Nono tombait en faillite, aurait-il encore autant de charme? Donc c'est juste que, en fait, tout ça a toujours rapport avec l'argent et l'argent, original, et l'argent de nouveau. C'est original comme thème, je trouve. C'est vraiment original. Non, je sais, c'est pas évident encore. C'était trop drôle. Trop drôle. Qu'est-ce qu'on fait alors? On attend. Bah, je sais pas, on fait ce que vous voulez. On peut faire la gym? Hein? Bon, ouais, un peu de quoi? On peut faire un peu de gym. Bon, allez, on y va. Vamos. Vas-y, mets plus de sang, Arnaud. Gandhi, hé hey. Gandhi. Ousmane, t'en as plein de casseroles. Tu nous fais quoi de bon, là? Coquille Saint-Jacques et purée de pommes de terre. C'est mon dîner préféré, ça. Oui. Et les profiteroles comme dessert. Oh, super. On va se régaler comme chaque jour. Je pense que tu pourrais répondre à tes admirateurs Twitter, là, tu vois, qui sont super sympas. De dire que effectivement Arnaud est en faillite complète, ouais. Et que tu vas reprendre, tu vois, tu vas toi créer. Non, c'est pas ça, après. Là. Moi, ça va partir en sucette là partout. Te mettre à travailler. Faut pas dire des. Que t'as décidé que ça serait toi la chef d'entreprise de la maison. Faut pas dire des choses pas exactes. Tu reprends le flambeau.
faut être au studio à 8h du matin. On commence le maquillage à 8h avec le maquilleur que tu connais, Oscar. Et ensuite, toute l'équipe arrive à 8h30 et on commence vers 9h le shooting. C'est bien parce que ça va être des maillots, des robes, des choses jolies avec des belles couleurs. Et avec le faux ventre. Ça, c'est pour les femmes enceintes. C'est toujours la même équipe? C'est toujours les mêmes personnes? Non. Le photographe, c'est le même? Merci. C'est le même? C'est bon. Bah, moi aussi. Tu viens, chérie? Ouais. Dire que c'est mes coups de fil qui est tombé en retard, parce que c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Je sais qu'on a un petit peu de retard, parce que là on a 10 minutes de retard. Ouais. Lo siento, pero está un poco tarde. Belle vue, là. Magnifique. À la base, le réalisateur dont il parle de Tim Burton, à moi. En tout cas, c'est celui qui m'a dit qu'il allait faire le film et que lui veut absolument Marion Cotillard. Mais comme elle ne donne pas de réponse définitive puisqu'elle est sur Batman pour l'instant et qu'elle est overbookée, il y a possibilité que ce soit toi qui reprenne ce rôle-là. Donc, c'est peut-être moche à dire, mais j'espère de tout cœur que Marion Cotillard sera overbookée pour que tu puisses avoir le rôle, quoi. Donc maintenant, il faut voir si c'est réel. Mais lui, depuis qu'il a vu Jade, voilà, il m'appelle, c'est lui, et là, c'est Wilson, c'est pas inconnu. Allô? Je t'écoute. Oui, allô? C'est Wilson? Oui, je t'écoute, Will. Oui, tu... Jade, elle a reçu le message? Le SMS? Jade a reçu quel message d'SMS? Alors, il parle, en fait, le trône, c'est en fait pour le personnage de Louise. Alors, je t'explique, Louise, en fait, c'est la Louise, elle dedans, c'est la fille, en fait, qui arrive dans le bordel, et qui, au début, veut devenir prostituée, mais au final, on lui dit, non, tu ne fais pas ça, toi, tu fais la cuisine. Mais enfin, entre prostituée et être à la cuisine, tu sais, bon, tu vas me dire, je sais pas quoi, aucun des deux rôles ne me plaît pour ma fille, hein. Non, mais c'est un bon rôle, hein, celui-là, hein. c'est un très, très bon rôle. C'était un rôle que Arnaud, même, il avait souligné dessus un moment. Et à un moment, il avait dit que ça correspondait bien justement au profil de Jade. Mais je sais pas, mais lui, ça, de toute façon, il le voulait pas parce que c'est le rôle de la prostituée. Ça, elle me l'avait déjà dit bien clairement quand elle l'avait vu. Non, justement, lui, il n'avait pas prostituée dedans. Si, elle allait le faire. Bah, elle allait le faire et puis elle passe à la cuisine, quoi. Mais elle le fait pas. Et elle va quand même un moment à quatre pattes sur le... Sur un des. Sur le patron du bordel. C'est ce que dit Jade, à un moment donné, l'une des scènes, elle se met quand même à quatre pattes sur son boss, quoi. Si ça, c'est des trucs comme ça, ça se modifie sur un scénario. Après, c'est des discussions qu'elle aura avec. Ok, ça, c'est pas grave. Donc. Je pense que là-dessus, Arnaud, il sera bien convaincant, tu vois. Donc.
pour qu'est-ce que t'as quatre pattes? Pas vraiment, non. Je pense que tu connais mal Arnaud, que voir ma fille se mettre à quatre pattes sur un truc, il va péter un câble, il démolit caméra et tout, quoi. Non, mais c'est toi qui dis qu'il va être comme un con en disant réalisateur. Ok, mais faut pas qu'elle fasse ça, tu vois, donc... Mais Wilson, deux secondes, sous le contrôle de Maïté, bien évidemment, le cinéma l'intéresse beaucoup et c'est pas nouveau. Mais elle n'est pas non plus assoiffée. Et tout ça doit s'inscrire dans une carrière. Comme elle a 21 ans, il ne faut pas la cramer sur un premier rôle. Il faut que ça soit un truc qui la représente bien et qui lui permette de la valoriser sur tout ce qu'elle va faire par ailleurs, sur tous ses autres projets. Donc pour ça, il n'y a aucun souci. Non, d'accord. Enfin, c'est Jade qui décidera. Hein. Je ne me substitue pas à elle. Je donne simplement mon opinion, qui est d'ailleurs aussi la sienne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie. Hein. Mais c'est pas n'importe quoi, parce qu'il y a un truc qui arrive là et qu'il faut le prendre au vol et tout, quoi, tu vois. Ah, mais je suis complètement d'accord. Hein, d'accord, ok. Ok, bien sûr, ok. À bientôt, hein. À bientôt. Voilà. Tout grand merci, un gros bisou, passe une bonne soirée. Au revoir. Bisous, ciao, bisous, ciao. Ciao, ciao. Bye. Donc à mon avis, je surchauffe en température. On peut croire qu'on a de la température ou qu'on n'en a pas, et en fait... Souvent, j'ai pas de température quand je... Mais t'es en dessous de la température. Ouais, moi, je suis toujours à 36. Je monte pas à 36. Ça va, petit nono? Tu me promènes tout seul? Je me promène tout seul dans les bois. Promenons-nous dans les bois. Vous n'y êtes pas. Mais c'est qui le loup? Il y est. Ah, moi je sais où il est, le loup. Le loup, il est tout blanc. Il est où, Wim? Vous lui mettez des talons qui font 50 cm. Enfin bon, elle est déjà plus grande. Alors en plus, après, je passe pour... Je m'en fous d'ailleurs, je passe pour un abo, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est ton tour, hein. Tu l'as compris, c'est bon quand tu vends. Puis je m'en fous, j'ai aucun complexe, j'emmerde les gens. Vas-y, coupe, hein. Il est rajeuni de 10-15 ans, hein. Ouais. Il rajeunit. Toi, tu dis qu'il coupe à rien? Oui, il coupe pas beaucoup, il coupe ce qui dépasse, quoi. Ce qui dépasse, c'est ça qu'il faut, hein. C'est tout. C'est nécessaire. C'est fou. J'adore ça. C'est fou que je fasse une photo, j'aime. C'est quelle matière, ça? Ça? Regarde la chaussure. Le? C'est du techno stretch. Donc c'est du matière coton avec du stretch là-dedans. Il est agréable à porter. Il est agréable. Ah oui, c'est ça, je viens de porter. Ouais. Ça coule bien d'être. C'est le seul homme que je vois que ça se voit, quoi. Que quoi? T'as pas remarqué, regarde autour de toi. C'est vrai que ça se voit. Chez lui, ça se remarque. Quoi? Ça se remarque quoi? Mais c'est pas que j'ai la tête. Non. C'est ça qu'elle a l'air. Je vais pas me couper, si je fasse. J'ai un slip pourtant. Et tu veux que je fasse quoi? Je peux. Mais tu l'avais pas bien. Chez lui, ça se voit. Allez. Ok. Viens, Gilles. Regarde quand tu vas te bouffer la robe, tu vas moins rigoler. Tiens, un petit pot de coca. Viens, Gilles. Arnaud, oui. Regarde une fois là, sur là. Voilà, c'est beau. Super beau, petit sourire. Ok, allez, allez-y. C'est bien quand vous êtes comme ça, vous êtes juste à peine de faire ici. Magnifique. Oh là là, les bons plats, miam, mozzarella. Oh là, c'est salade russe comme ça. Kassou, regarde, pomme de terre, tout le monde s'arrête là. Miam, 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 miam. C'est délicieux. Super. Tu
Elle a... Ah, tu... là, elle a un beau tatouage, mais là, lui, le principal montre, Arnaud. La clé ? Oui, j'ai la clé, moi. Mais la mienne est moins jolie. Elle est moins. Parce que la mienne est sur un endroit que je peux voir. Moi, je le vois aussi. Hein. Moi, je... Oui. Moi, je... Monte ton pied, Arnaud, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre de la crème, ça va pas du tout, ça. C'est joli, hein. Tu sais, c'est un peu dans le style chroma. Mais moi, j'ai le même, mais avec les ailes, tu as vu, hein. Ah, je n'avais pas vu que c'était un... C'est super beau. Et en fait, c'est ça, c'est le même. C'est le même truc. C'est ce que j'ai mis, ça va être mon logo, en fait, avec le nom. Voilà. Et c'était votre destin, qu'on dit ça en français, pour suivre votre père. Pas du tout. Non, pas du tout, jamais, à aucun moment. Oui. Non, moi, mais oui, moi, mon rêve de jeune, c'était de faire autre chose. C'était comme tous les jeunes qui sont adolescents, c'était soit être une rockstar, mais j'étais pas musicien, soit être pilote d'avion. Mais à aucun moment, mon père m'a dit « ton destin, c'est de me succéder ». À aucun moment, jamais, jamais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait. C'est que comme il ne m'a pas forcé, le goût est venu tout seul, petit à petit. Et j'ai fait, non pas mon rêve d'adolescent, mais ce qui me passionne aujourd'hui, c'est diriger une entreprise. J'adore ça. Allez. Ouais, allez. Il ne croit pas, mais non, attends. Bah, non. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui vraiment... Qui forcent. C'est une erreur. Ouais. C'est une erreur. C'est le seul moyen de frustrer ses enfants. Ça, c'est une grosse erreur. Benny, Benny. Ta soeur vous étiez passé. Et on ça s'est fait comme ça... tout à fait naturellement. Donc à partir de l'âge de l'université, j'ai dû rentrer à l'âge de 18-19 ans. À partir de cet âge-là, j'ai pas arrêté de travailler à l'entreprise et le soir les cours. Mm-hmm. Vous venez ici souvent ou Ah oui, moi je m'impose tout le temps. Ah oui. Non, je suis souvent là. Je suis, enfin oui. C'est dangereux, hein. Non, c'est pas dangereux du tout. Pas du tout. C'est pas dangereux du tout. Je pense qu'Arnaud, quand il s'est rendu compte directement que Jade c'était une famille, que c'était pas Jade en personne seule. Mais on a beaucoup de points communs, comme on l'a dit hein, tout à l'heure. Jade et moi, Jade avec sa maman, moi avec mon papa. Avoir une forte personnalité qui à la fois vous guide, vous protège, mais vous écrase pas. Vous laisse respirer. Mmh. Et ça, c'est très important. Donc, ça vous laisse épanouir votre caractère, votre personnalité. Laissez respirer, maman. Vous avez fait ça avec votre fille ? Oui. Bien sûr. Bien ça sûr. Se voit, hein. Mmh. Oui, oui. Je... Oui. Vous avez... Moi, je ne suis que la personne qui suit ma fille. Elle a décidé ça d'elle-même, parce que les gens pensaient que j'étais la mère maquerelle qui poussait ma fille. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est avant tout une passion qu'elle a et qu'elle adore. Donc, on a tout fait pour la guider de notre mieux dans ses choix, quoi. Depuis toute petite, elle a toujours été comme ça. Donc, je pense que j'ai eu, moi, une chance inouïe d'avoir une fille comme elle, quoi. Oh. Mais non. C'est un peu votre propre rêve aussi qui... Non, pas du tout. Non, c'est comme... Pas du tout, du mes tout, du tout. Sont comme ça. Non, non je suis quelqu'un qui déteste les photos. C'est moi qui je déteste les photos. Je déteste... Oui. Ah oui, oui, ils le savent. Je suis rarement sur les photos. Si je fais des photos pour mes enfants, je vais être honnête, c'est parce que j'ai des problèmes de santé et que je me dis que si demain je ne suis pas là... Il sert à un souvenir. Oh, maman, maman, non. Mais sinon, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est... Ne pleure pas, maman. C'est pour ça, parce qu'ils savent très bien que depuis toujours, j'ai toujours détesté tout ce qui est photo. C'est vrai, hein. Et moi, je suis pas du tout comme tous ça. Tous trois, vous êtes agents d'émotion, hein. Je vois. Non. Mais c'est important, l'émotion. Non. C'est important, l'émotion. Oui, 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 vraiment. Être sensible, c'est important. C'est peut-être une faiblesse, mais bon... C'est au contraire une force. C'est au contraire une force d'être sensible, justement. On est très sensibles, tous les trois. Parce que ça veut dire qu'on est très attentif à des choses importantes, on les perçoit. C'est au contraire extrêmement important. Au secours ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On recommence. Sa maman à côté d'elle. Bonjour. Oh, mais il fallait pas, mais non. Je l'avais déjà la fois passée, mais malheureusement. Je suis désolée. Je t'ai dit pourvu qu'elle revienne.
attendais pas du tout ces trois heures. Moi, ça me fait grand plaisir. Encore désolée pour la dernière fois, mais j'étais malade. Je suis venue avec plaisir, mais ça arrive. Mais moi, je perds ma voix aussi, vous voyez. Moi, c'est super gentil. Je suis contente de vous voir, parce que vous êtes belle, intelligente et belge. Alors ça, c'est... C'est super gentil, voilà. Merci. Voilà. Ça fait plaisir. Oui. Pour Sabrina. D'accord. Photo, oui, je veux bien. Oh, elle est bien, maman. Elle est bien. Oui, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir. Au revoir, merci, Jeanne. Là, je pense qu'il y a un cadeau au Carrefour. Et tu dois... Oh, mais il fallait pas. Et tu as vu que c'est des fruits, hein? Oui, super. C'est gentil, merci. C'est trop adorable. Allez, allez. Oui, venez à côté à moi. Merci beaucoup, c'est super gentil. C'est trop adorable. Rentrez bien. Merci, à très vite. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, très bien. Bonjour, madame. Très bien, vous. Vous l'avez déjà vu? Non. Pas du tout. Ah. Surprise. Voilà. Ouf. C'est émouvant. Ah, c'est magnifique. Tu t'attendais voilà, pas à ça. On vous a préparé aussi. On va voir, on va vous essayer, mais tout le calque, vous voyez, en broderie. Pour que vous ayez le sentiment de ce que va donner en broderie. C'est magnifique. Ça va être beau, hein. Allô. Oui, oui. Magnifique, hein. Regarde. Avec mon nom. Ah oui, c'est pas évident de marcher. Tiens. Avec la petite jambe. La boîte, c'est une orange. Mais la femme de l'hermine. Alors, Jeanne, première impression. C'est... Il n'y a pas de mots. Non, c'est petit. Dans un conte de fées, là, non ? Une petite princesse. Bon, allez. Oh là là, c'est magnifique, chérie. Ah, c'est ça le voile, alors ? Oui. Voilà, et après, vous le revoyez. Mais tu sais, faut c'est toi qui donne. Ouais, le bio, alors. Mais la tradition, c'est voilà, vous arrivez comme ça, et après... Vous, monsieur, et après, vous lui relevez le voile vers le... Allez, cieux. Allez, viens, mon bébé. Entraîne-toi. Il faut vous entraîner, hein, parce que vu l'importance de la robe... Oui. Mais elle fait 3 mètres. Mais c'est ça. Ça, c'est de votre faute. Vous avez mis des talons 15 cm. Non, mais déjà, là, j'ai plus de chemise. La chemise va sortir. Voilà. C'est pas mal, vous en sortez très bien. Ouais, la première fois, c'est plutôt bien. Hein. Grand princesse, hein, je vois. La boc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fais un bon gainage, t'as pas un bon gainage, tu pars dans tous les sens. 3, voilà. 4, regarde ma main, va par terre. 5. Allez, c'est parti. Hein. Il va te manger le petit ventre. Le petit ventre, comment ? Enlève la tutu. Enlève la tutu. Enlève la tutu. Non, 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 non.
Mais tu manges maintenant. Tu sens que t'es stressé ou quoi? Et comme toujours, avant les combats, je mets même moi-même trop de pression, quoi. Ben, ma manière à moi de compenser, c'est de manger. De manger, manger, manger. Et tirer la gueule. Et crier. Il faut y mettre la sauce, hein, ce week-end. Il faut vraiment montrer à ce milieu de la boxe anglaise qui est vraiment son art. Parce qu'ils n'ont pas encore eu ce plaisir de voir. La puncheuse. Avant, t'avais de la mentalité de guerrière. Là, t'as envie de faire mal. Comme quand t'es arrivé en Europe. Là, t'avais la rage. Tu te montais comme un puits de bulle sur le ring. Ferme-le. Lève-le un peu. Il a été chez le médecin et alors elle a dit qu'elle a 33. Hein? Son corps, il bat juste 33. Elle doit être... Possible. Oui. Elle serait morte. Ben, c'est pour ça, elle dit qu'elle doit être en urgence. Donc c'est... Elle est à la maison, elle n'est pas en urgence. 33, c'est pas possible. C'est encore une fois les farfelus de Maroc, hein, elle doit opérer en urgence. Ça n'a 33 pulsations cardiaques, elle serait morte. Voilà, c'est aussi clair que ça. Même Eddie Merckx, dans sa meilleure période, il n'avait pas ça. Donc c'est pas possible. Et quoi, c'est un pacemaker qu'elle a mettre une machine pour aider le cœur. C'est quoi ce bruit? Ils égorgent un cochon, quoi. Elle a dit, peut-être c'est le cholestérol qu'elle m'a fait ça. Mais elle mange, elle parle toujours de son régime cholestérol. Ils mettent de l'huile et tout dans l'étagère monstrueux, hein. Non, c'est pas vrai. Elle met un petit peu de l'huile. Elle n'a pas toujours... c'est pas trop gras. Hein. Sana, la bouffe arabe est la bouffe la plus grasse au monde, pratiquement. Je vais téléphoner mon cardiologue. Elle essaie d'avoir le plus vite possible le numéro de téléphone du médecin qui l'a vu et son adresse mail. Ne me l'a dit le téléphone d'hier. 05... 00212... 05... Ouais. 37... Ouais. Donc 005. 005. Non, 05. Oh purée, même un téléphone, ils ne savent pas faire, quoi. Et le nom du médecin? Saïd. Saïd, ça c'est son prénom. Je le connais tout. Bah Saïd, c'est bon. Saïd, c'est la même chose. Hein. Non, son nom de famille. Attends. Tu crois que j'ai demandé à un médecin de téléphoner avec le prénom d'un médecin au Maroc? Allez. Je le connais, Saïd. C'est la maman de Sana qui est au Maroc pour l'instant et apparemment elle aurait, mais au grand conditionnel, un problème de cœur avec possibilité de devoir avoir un pacemaker. Enfin bon, il raconte un peu n'importe quoi au Maroc pour l'instant. Donc on voudrait faire une batterie de tests ici parce que les hôpitaux là-bas, c'est un peu les hôpitaux de campagne d'il y a 150 ans, quoi.
Si elle sait venir ici, nous on sait la faire passer chez le cardiologue, mais il faut qu'elle vienne le plus vite possible. Faut que tu gagnes les champions du monde, hein. Tu payes un nouveau cœur à ta mère. Hein. C'est des coûts énormes. On va remonter les nombres de combats. Hein. Je vais téléphoner à Vanaké qui trouve des combats plus. Et c'est ça, 20 000 euros. Mais il faut le faire ici en Belgique. Hein. Faut pas l'opérer ton cœur au Maroc. Hein. Là, c'est un vétérinaire qui opère. Hein. C'est pas un chirurgien. Hein. Après, parce que j'ai pas envie de marcher sur les pavés avec mes talons, moi. Ah, si, c'était... Non, non. Sinon, tu le mets maintenant, si tu veux. Mais j'ai peur de ne pas savoir marcher sur les pavés avec... Je te tiens, là. OK. Ils sont hyper beaux, hein. Non, on va pas me reconnaître du tout. Ce qui arrive maintenant, c'est la gestion de la fatigue. T'es sortie entre filles. J'ai sorti une fois. C'est beaucoup quand même pour une mère de famille. Ça fait 5 ans que je ne sors plus. Hein. Ah ben, les filles de mon âge, ils font beaucoup de choses, ils bougent. Ils vont profiter de leur vie, quoi. Moi pas. Bon, les gaufres qui sont par où? Oui, les gaufres, les glaces. Tu récordes de la place. Les gaufres. Manger de la place. Vas-y. 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 Ah ouais, il faut une glace, il faut une crêpe, une gaufre chaude. On va à Knok. On va à Knok. Bah oui, on peut aller à Knok. Hein. Moi, je l'ai... Je veux pas mentir, j'avais pas quelque chose pour lui au début, tu vois. Un jour, il m'a dit que quand tu es rentrée dans le magasin, il a eu un coup de fou pour toi. Oui. Il m'avait dit ça. Au début, j'avais rien pour lui. C'était un ami pour moi et quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour moi, c'est tout. Chris, à l'époque, il était préparateur physique. Oui, il s'occupe des athlètes de niveau, quoi. Ça faisait combien de temps que tu étais ici, en Belgique? Ça fait maintenant 7 ans. Mais à l'époque, t'étais juste arrivé, ça faisait peu. Je viens d'arriver, oui. Tu venais d'arriver en Belgique. Je viens d'arriver en Belgique. Donc tu connaissais personne. Il voulait vraiment se marier avec moi. C'est lui qui t'a demandé de se marier. En mariage, oui. Et puis j'ai dit, tu parles avec mon frère et mes parents. Alors il a parlé avec mes parents sur Skype. Pourquoi tu voulais qu'il parle avec tes parents? Parce que pour nous, c'est très important. Il doit parler avec les parents d'abord pour prendre leur... Pour demander la main. Voilà, l'accord et puis sinon. Bon. Ta maman et ton papa, tous les deux, ils ont rien dit. Tous les deux, ils ont rien dit. Ils ont dit, franchement, c'est mieux. Parce que Louis fait beaucoup de choses pour nous, hein, pour moi et pour mon frère avant. Donc voilà. Il vous a beaucoup aidé. Ouais, voilà. Et ta famille au Maroc aussi, non? Oui, donc je ne peux pas oublier ça comme ça, facile. Maman. Oh. Yara, ça va? Papa, va. Papa, Yara. Va. Alhamdulillah. Fais-moi un bisou. Merci. C'est quoi ça? Le halouf. Mais en Belgique, il y a plus d'Arabes que de Belges en Belgique. J'ai papa ici. Oh là là, tu as grandi. Oh, papa, il y a. Je suis ma fille. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas si tu fais. Je ne sais pas si tu fais. Je ne sais pas si tu fais. Je ne sais pas si tu fais.
Tu veux voir son combat qu'elle a fait? Non, je vidéo. Pas encore. C'est une équipe de vidéo qui nous envoie la vidéo tout de suite, trois jours après, qu'on puisse retravailler avec l'entraîneur. Quoi. C'est bien, tu sais. J'aime ça. Il y avait beaucoup de monde. Ah oui, quand même. Hein. Sana, ça a gueulé. Hein. Bruxelles, c'est devenu une petite star. Hein. De Derek, n'entends pas. Mais non, parce que bon, tu connais les le direct et les crochets de Sana. Ça fait mal, hein, elle tombe pas. Je fais un travesti. Pourquoi ils donnent un jour de rond par exemple? انا ويستون هي تمنيا ولي على ويستون لا كنت مزيانه اخي ولي على ويستون ها كنجري قال كنت مزيانه اخي احنا علاش قلت لك ما كنجريش لان الدقه خص الضربه تجي خطره تجي ديريكت متابعين وما طاحتش يعني الضربه فاشله عندك واخا يحمد الله يديك شي شي هكا داير تشوف راه ماشي بوكسطاي هذا موسى هو دار بزاف ديال المجهودات اللي كنت غادي ما غاديش نلقاهم في شي راجل اخر اللي غادي كاين شي راجل اللي غادي يخليك تدخلي في العشرة وانت كتمشي لونطرين موتريني ما يمكنش هو يدير طاكسي مان يديك يجيبك ما غادي ما يمكنش ما يقبلهاش لك ديك الشيء علاش حيت هو سبورتيف دونك كيتقبلها ولكن كون ما كانش سبورتيف ما غاديش يتقبلها من طبيعه الحال الله سبحانه وتعالى كيسمح لاي حاجه الا عقوق الوالدين اي حاجه الله يسامحك تيقول كلام سامحك ولكن الا كنتي الا كان انسان عاقل الوالدين كيسمح لهش ان شاء الله احنا عندنا عيب ما نقدروش نسمحوا في الوالدين ديالنا في الخيريات ولا في الجمعيات او لا ما نشوفوهمش ما نقدروش واللي كيدير ديك الخدمه كيتسمى عندنا حنايا عاقل والديه وفي الاسلام ما عندناش C'est vrai que j'étais étonné de l'attitude de ton père hier. Pas méchante, hein, mais... Oui. C'est un très beau combat, je trouve. Chaque fois que je regarde cette vidéo, techniquement, c'est bien, mais... Je pense pas que dans sa tête, à lui et ta maman, ils se rendent compte que t'es une star ici. Je sais pas. À mon avis, je dois avoir... Je sais pas. Ouais, mais enfin, un beau combat, quoi, ouais. Hein. Ça reste qu'une fille, quoi. Non? Une fille marocaine qui est partie là-bas pour eux. Tu es la plus petite, t'es la fille, et t'es la première qui a quitté la maison. Ils n'arrivent pas à l'avoir qui a pris un passeport pour partir à l'étranger et qui a réussi à l'étranger. Pire que ça, la femme n'a pas vraiment sa place en tant que membre de la famille. La femme est un objet dans certaines familles. Parce que pour ta mère, les garçons, c'est ce qui ramène l'argent à la maison, les femmes, c'est pour faire le ménage. C'est bien si tu pouvais me regarder quand je te parle. قلت لك يا رب من qu'est-ce qui est prévu pour la journée? Tais-toi, ok? T'as pas ton problème. On a une organisation de vie quand même. On fait qu'est-ce qu'on a envie de faire. Tu vas pas commencer à me faire le rythme, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas une question de rythme. Quand on est chez eux, ils foutent le bordel. Quand on est ici, ils foutent le bordel aussi. Alors il y en a marre. Alors on va au bout des choses. De quoi tu parles? Ça fait trois jours qu'on dit qu'on va voir la salle d'entraînement. Elle est ici depuis 7 ans, elle s'entraîne quelque part. Et on vient même pas voir la salle d'entraînement de Sana.
à croire que Sana, c'est une merde dans la famille. Elle est venue en Europe pour quoi? Pour boxer. Pour voir. Pour boxer. Donc qu'est-ce qu'elle veut montrer à son père et à sa mère, là où elle travaille? Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, c'est important. Et chaque fois, ce que je ressens, c'est que Sana, elle passe en dernier de tout. T'as la seule qui réussit bien quelque chose pour l'instant, c'est elle, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a été dit? Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? On commence à discuter, il va partir. Non, on commence pas à discuter, on essaye d'avoir des trucs. Il y a une hypocrisie qui est faite, Sana. Mais eux vont pas te foutre ta carrière en l'air. Simplement, il faut simplement arrêter l'hypocrisie. Et vous êtes des rois de l'hypocrisie pour l'instant. Pas de respect pour votre fille, aucun respect pour votre fille. Mais ça va, je demande juste un minimum de respect, de savoir ce qu'on fait sur la journée. Mais non, c'est toi qui changes le comportement parce qu'ils sont là. T'es leur petit chien pour l'instant. Tu sais très bien, moi je vois plus mes parents, je vois plus mon père, ma mère. Et mon père, ma mère, c'est toi pour moi ici. Et je peux même pas vous recevoir comme j'ai envie. Je sens un peu me calmer et puis je reviens. Ça va? Hé hé, ça vous a plu, hein? Bien sûr, la turpitude, on adore ça. Et c'est sans fin, car le péché est un abîme insondable. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette saison d'enfer. C'est aussi un de